À tous ceux qui ont déjà dû remplir des tableaux d'indemnité kilométriques, je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas le meilleur moment de votre journée, de votre semaine ou de votre mois. Et notre prochain invité vous propose une alternative à cette corvée. Regardez. Et je reçois Nicolas Réfet. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez Bloc et compagnie et on va parler de votre produit qui s'appelle GeoWallet. GeoWallet, c'est donc l'application qui va enfin mettre fin, j'allais dire, à la corvée du tableau des indemnités kilométriques. Comment ça fonctionne, GeoWallet ? C'est le cas, effectivement. GeoWallet, c'est une solution de gestion des activités de mobilité en entreprise. Vous êtes une entreprise, vos salariés roulent avec leur véhicule, réclament des indemnités kilométriques, ce qui est logique. Vous avez des véhicules de fonction avec des salariés qui roulent à titre professionnel, mais aussi personnel. Et donc, ces salariés doivent remplir des relevés kilométriques pour justifier de leur activité. Alors, il y a deux problèmes à ça. C'est que le salarié va passer beaucoup de temps à remplir ces relevés. Ces relevés sont imprécis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces relevés, ils doivent aussi être repris par les services comptables derrière, donc une charge des imprécisions, sans parler des possibilités de fraude. Non, ça n'existe pas. Mais donc, ça existe. Donc ça, c'est ce qui existe. Vous, comment vous avez fait pour simplifier la vie de toute cette chaîne-là autour des indemnités kilométriques ? Alors le but, vous l'avez bien compris, c'est d'automatiser toute cette chaîne. Qui est une application mobile qui collecte toutes les données de trajet dès lors que l'utilisateur est dans son véhicule, qu'elle catégorise les trajets en professionnel, personnel, qu'elle remonte cette information à l'entreprise, que l'entreprise les exploite. Mais il y a un mais, c'est que c'est une capture qui est extrêmement intrusive. Donc le point clé de GeoWallet, c'est basé sur une solution de confiance numérique qui protège les données des usagers, qui ne va restituer à l'entreprise que l'information absolument nécessaire justement, pour le traitement comptable. C'est la question que j'allais vous poser. J'ai une voiture de fonction, par exemple, je l'utilise pour aller travailler, ok, je l'utilise pour aller à mes rendez-vous, ok, mais je peux l'utiliser pour aller dîner avec des amis ou pour partir en week-end ou pour partir en vacances. Comment vous faites la différence et comment mon employeur n'a pas besoin de savoir où je pars en week-end ? Non, ça ne le regarde absolument pas. Donc votre employeur, il va définir des plages horaires sur lesquelles vous réalisez habituellement vos trajets professionnels. Tous les trajets débutés dans ces plages vont être considérés comme professionnels. Tous les trajets en dehors de cette plage vont être considérés comme personnels. Et si, pour une raison ou pour une autre, vous effectuez un trajet professionnel le week-end, vous avez la possibilité de le recatégoriser. Et on gère de la même façon les congés dans l'application. Voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai allumé l'application quand je suis dans ma voiture, ça va directement, ça remonte toute la chaîne et ça arrive directement dans les services comptables. C'est ça. L'application fonctionne fermée. Vous n'avez pas à l'activer. Elle consomme très peu de batterie. Et toute l'information est chiffrée, protégée et remonte en fin de mois pour des analyses comptables. Alors, puisqu'on parle des comptables, vous lancez justement une offre à destination des comptables, qu'ils soient experts comptables ou services des comptabilités des entreprises. Qu'est-ce que là, ça va leur procurer comme service ? C'est juste une petite brique ? Il y a trois sujets. Le premier, c'est que la profession comptable, elle se digitalise massivement, elle s'automatise. Donc, nous sommes un élément d'automatisation de ce poste, le poste véhicule. Les comptables souhaitent aussi apporter plus de valeur à leurs clients. Donc GeoWallet leur permet de proposer une solution qui va décharger leurs clients d'une vraie problématique, leur permettre d'optimiser les coûts, et puis c'est aussi un outil interne d'optimisation de la productivité. Et ben voilà, ne plus avoir la corvée du tableau Excel avec les indemnités kilométriques à remplir, la solution, un entrepreneur vous l'apporte, on aime beaucoup ça dans cette émission. Merci beaucoup Nicolas Réfet de Bloc et compagnie donc d'être venu nous parler de GeoWallet aujourd'hui. À très bientôt dans l'émission. Restez avec nous, tout de suite, on retrouve un nouvel invité sur notre plateau.